Hein? Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore? Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. C'est ton île? Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture, au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment? Je vais t'aider. Doucement, d'accord? Oui. C'est bon. Déjà? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. Comment on va sur une île? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Et tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Non, ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Wow! Regarde ces belles fleurs. Oui. Allons, tu adores les fleurs. Si leur bateau coule. Hugo. Est-ce qu'ils savent nager? Tout ira bien. Promis? Oui. Attends. Tu vois cet arbre? Je suis sûre que je peux l'atteindre avant toi. Maintenant? Pourquoi? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2, 1. Hé hey! Toi, t'es qu'un poulet. Encore. J'ai gagné. Ça va passer. C'est pas drôle. Désolée, mais si. Tu t'es fait mal? Non. Oh, regarde. C'est vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? Oh, oui. On cherchera d'autres nids et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui. D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah. D'accord. C'était une belle course. Oui, c'est vrai. Ça te fait encore mal? Non. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Oh non. La prochaine fois, je t'écraserai.
des grenouilles. Regarde, là-bas. Bonjour les grenouilles. Allez, sautez, sautez. Elles ont de sacrées jambes. Je voudrais avoir les mêmes. Non. Oh, tu entends ça? C'est quoi? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Un marché. Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage, alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur, Perreux, connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Rome? Parce que l'année prochaine, c'est le jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Attention, les enfants! Doucement! Puisse le temps rester clément. Ça sent le ragoût. Toi, tu as du nez. J'ai faim maintenant. C'est surprenant. Allez, viens. Pauvre pied. J'ai jamais autant marché. On va voir le pape à Rome? Peut-être. Si on a de la chance. Dis, Janine, il te resterait pas du sel par hasard? Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Voilà la messe. Est-ce que c'est Perreux dans le fond? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres. Et reçoit les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Allons lui parler. Bonjour. Oh, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici? Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil? Oui, merci. Ce serait parfait. Bonne gens. Qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité. Allez. Dans tes yeux. Mais, quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe? Faites place! Sortez de vos tentes! Ils cherchent quelqu'un. Coopérez et vous aurez rien à craindre.
pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. Nous sommes de bons chrétiens. Des nouveaux venus dernièrement. Attention, des intrus. Oh, des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Nous sommes tous jugés un jour. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé, hey, faites attention. Reculez. Non. On a un problème. Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Je m'occupe d'eux. Allez, Amicia. Je sais. Chut. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais... qui sait? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia? Pas encore. Attends son signal. Hé, hey, vous! Moi? Depuis quand faites-vous partie de cette procession? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. Tu es des soldats? Oui, je... j'ai perdu la tête. Tu me l'avais pas dit. J'avais trop honte. Allez, reste concentré. Amicia, attends. Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûre de toi? Oui, ne t'en fais pas. D'accord, sois prudent. Oui, la compagnie. Je les vois. Ils sont là. Des soldats. Attends, comment? Les rats. Quoi encore? Ils sentent le son des gens. Les laissez pas s'échapper. Moi aussi, moi. Ils savent qu'on est là. Ils sont à couvert, là. Fais les débuter. Une porte. Les adieux. Oh!
Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Oh, commence pas avec des fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que 1000 Anglais réunis. N'utilise pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là? Elle est possédée. Il faudra brûler son corps. Va au diable! Thank you.
Ils sont partis par là. Je le sais. Oh non! Ils sont là! Les intrus! Venez avec moi! Ces salopards sont ici! Saisissez-les! Amicia. Non, ils nous trouveraient. On doit atteindre ce bâtiment. C'est une église? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur, c'est peut-être plus sûr. On les a signalés par ici. Fouillez partout, trouvez la sorcière. Ils abandonnent jamais. Oh, ce sont des bouchers. Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge? Plus que j'aurais dû. J'ai cru entendre un bruit. C'était sûrement rien. N'oubliez pas, le comte d'Arles veut débarrasser ses terres de la vermine. Cette fille a tué nos frères. Elle sera exécutée ici. Et il est où, notre comte, hein? Ses terres sont ravagées par la peste. C'est lui qui donne les ordres. Un peu de respect. Est-ce que c'est... quelqu'un? Va-t'en. Et rien du tout.
Oui, et tu te reposeras. On y est presque, Amicia. Oui. Thank you.
pas rêvé. Oh, tu te réveilles. Est-ce que tu vas bien? Que s'est-il passé? Terra, j'entends Terra. Ne t'inquiète pas, ils nous ont aidés. Quoi? Hé hey, Terra! Tu vois ça? Terra! Oui? Il s'est passé quoi ici? Ils sont en train de dévorer nos hommes! Attention! Des soldats! Non, je peux pas. Repose-toi, je m'en occupe. Comment? Tu vas voir. Du feu pour passer.
Je les entends toujours dans ma tête. Ça siffle. Tu les as contrôlés comme avant? C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Réchauffer. Du tissu, tout neuf. Ton bandage est sale. On pourrait le changer. On pourrait utiliser cela. Ils sont propres. D'accord. Ça va te faire du bien. J'espère. Lequel tu veux ? Je ne sais pas. Celui-là. Ne bouge pas. Pardon. C'est fini. Merci. C'est mieux, j'espère. Non, c'était rien. Ça allait payer cher. Ça venait de là. Pas ici, pas ici.
C'est là que vous vous cachez. Oh non. C'était quoi? Rien du tout. Je les vois! Par là! Ils savent qu'on est là! Des hommes. Fouillez pas, quelqu'un se cache dans le coin. Cherchez partout. Tout de suite. Vous voilà. Non, non, non. Hein? Ça venait de là. Oh non. Il est mort. Sale vermine. C'était qu'une fausse alerte.
voilà enfin. Payez pour ton insolence. Apprête-toi à connaître la morsure de la bête. Quoi? Non. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Amicia, ta blessure. Peu importe. Je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de mauvaises traites sur ces terres. Reste près de moi, Hugo. On oublie la corde. Je vais te briser le crâne. Je suis le bras armé de la loi. Et j'en serai aussi le bourreau. Te voilà enfin. Payez pour ton insolence. Apprête-toi à connaître la morsure de la bête. Quoi? Non. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Te voilà enfin. Payez pour ton insolence. Apprête-toi à connaître la morsure de la bête. Quoi? Non. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Amicia, ta blessure. Peu importe. Je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de mauvaises traites sur ces terres. Ah, reste près de moi, Hugo. On oublie la corde. Je vais te briser le crâne. Je suis le bras armé de la loi. Et j'en serai au courant. Je te fracasserai la tête! Regarde-toi! Amicia, regarde son dos! Oui, je le vois!
Toi, personnel. Amicia, ta blessure. Peu importe. Je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de mauvaises graines sur ces terres. Ah, reste près de moi, Hugo. On oublie la corde. Je vais te briser le crâne. Je suis le bras armé de la loi. Puissance. Je te fracasserai la tête. Regarde-toi. Amicia, regarde son dos. Oui, je le vois. Voilà enfin. Payez pour ton insolence. Après toi connaître la morsure de la bête. Quoi? Te voilà enfin. Payez pour ton insolence. Après toi connaître la morsure de la bête. Voilà enfin. Payez pour ton insolence. Après toi connaître la morsure de la bête. Quoi? Non. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Amicia, ta blessure. Peu importe. Je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de traînes sur ces terres. Ah, reste près de moi, Hugo. On oublie la corde. Je vais te briser le crâne. Je suis le bras armé de la loi. Et j'en serai aussi le bourreau. Sale sorcier. Je te fracasserai la tête. Regarde-toi. Amicia, regarde son dos. Oui, je le vois.
voilà enfin. Payez pour ton insolence. Apprête-toi à connaître la morsure de la bête. Quoi? Non. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Lucia, ta blessure. Peu importe. Je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de mauvaises graines sur ces terres. Reste près de moi, Hugo. On oublie l'accord. Je vais te briser le crâne. Je suis le bras armé de toi. Et j'en serai aussi le bourreau. Voilà enfin! Payez pour ton insolence! Apprête-toi à connaître la morsure de la bête! Quoi? Non! T'es coincé! Je vais m'occuper de toi, personnellement! Amicia, ta blessure! Peu importe! Je vais régler ça! Je m'occuperai du gamin aussi! Trop de mauvaises graines sur ces terres! Reste près de moi, Hugo! On oublie la corde. Je vais te briser le crâne. Je suis le bras armé de la loi. Et j'en serai aussi le bourreau. Tu savais que ça allait arriver. Je dois gagner du temps. Les trop dire. Voilà enfin. Payez pour ton insolence. Apprête-toi à connaître la morsure de la bête. Quoi? Non. T'es coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Lucia, ta blessure. Peu importe. Je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de mauvaises graines sur ces terres. Reste près de moi, Hugo. On oublie la corde. Je vais te briser le crâne. Je suis le bras armé de la loi. Et j'en serai aussi le bourreau. Sale sorcier. Je te fracasserai la tête. Regarde-toi. Monsieur, regarde son dos. Tu te sens moins fort d'un coup, hein? Ça marche pas, Amicia! Son armure, elle est trop épaisse! Thank you.
tuerai tous s'il le faut.
fait ? Vous mangez ? Sortir de là !